Le planning des consultations, 3 pages de format A1 que nous avons parcouru. Le CNOS DDG, pourtant une organisation de la société civile guinéenne, non des moindres, n'y figurait pas. Son président, Salmana Diallo, député, peine à ménager sa colère. Nous l'avons rencontré. Abdourahmane Ba l'a interrogé pour l'interview décalée. Bonsoir, monsieur Diallo. Oui, bonsoir. Alors, cette fois-ci, nous allons parler justement de la consultation nationale qui est aujourd'hui un sujet d'actualité. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez été convié à cette consultation nationale? Bon, pour le moment, on n'a pas reçu d'abord une lettre d'invitation ou lettre d'information. En tout cas, le Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la Guinée, CNOS DDG, n'a ni reçu une lettre d'information et on n'a pas reçu d'abord une lettre d'invitation. D'accord. Alors, vous estimez que, vous déjà, si on vous adressait cette lettre, vous alliez répondre à l'invitation? Bon, bien sûr, puisque nous sommes contre la violence, nous sommes contre l'affrontement sur le terrain. Alors justement, si on ne vous invitait pas, on ne vous conviait pas à cette consultation, qu'est-ce que vous allez faire? Ou bien vous allez justement partir peut-être chez le Premier ministre, lui dire peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec cette consultation, ou peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec cette nouvelle constitution peut-être qui viendra. Nous sommes invités, ou le CNOS DDG est invité ou pas invité, nous ferons notre mieux et nous ferons comprendre à l'autorité. Comment vous allez le faire? Voilà, nous ferons comprendre le Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la CNOS DDG, qui œuvre pour la paix et l'unité nationale, va continuer à faire comprendre le gouvernement. Donc c'est comme ça. Et surtout que nous avions toujours. Mais vous êtes en train de dire que vous allez le faire. Mais comment allez-vous le faire, au fait? On veut savoir comment vous allez le faire, parce que, en fait, il ne suffit pas juste de dire que vous allez le faire, mais dites-nous concrètement, comment vous allez le faire? Si aujourd'hui, parce qu'il y a des gens, certainement, qui ne sont pas invités, mais si vous, on ne vous invite pas, comment vous allez défendre cette population? C'est ça la question. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai en train de dire, vous me laissez aller au bout de mes idées. Je veux savoir, s'il n'acceptait pas, en fait, s'il vous excluait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partir chez lui peut-être pour cette consultation ou pas? Nous allons d'abord écrire. Après avoir écrit officiellement, nous ferons, si s'il n'y a pas une réaction, nous ferons une déclaration qui sera pour informer toute l'opinion nationale et internationale. Après ça, nous ferons une conférence de presse. Et après, maintenant, pourquoi pas aller directement le trouver et dire d'abord, la façon d'abord de faire la consultation n'est pas bonne. Et en plus de ça aussi, et après, maintenant, dire maintenant ce que nous voulons passer. Il y a 2 étapes. Sur ce point, vous n'avez pas peur des répressions, parce qu'on le sait, lors de. D'un dialogue politique, vous avez été sorti d'une salle parce que vous êtes introduit dans la salle sans être invité. Alors justement, est-ce que vous n'avez pas peur aussi qu'on vous sorte de cette salle encore, comme on l'avait fait? Mais soit tu es journaliste ou tu es acteur de la société civile ou tu es leader de parti politique, si tu as peur, alors vaut mieux de démissionner. Il ne faut jamais avoir peur. Je vous donne un exemple, je m'excuse. Ce n'est pas pour des répétitions, pour me vanter. Si aujourd'hui, à la télévision privée ou à la radio privée en Grèce, j'ai fait partie parmi ceux qui sont battus, qu'il y ait ça. Et c'est comme ça, on a subi des choses pareilles comme ça. Comment vous l'avez fait? On vient dans l'endroit où on nous recevait très bien, on vient dans l'endroit où on criait sur nous, on vient dans l'endroit où on nous rejetait. Est-ce que le Premier ministre, il aime votre tête? Non, le Premier ministre, chef de gouvernement, a déjà échoué. Dites-moi, est-ce que vous aimez le Premier ministre? Non, moi, j'aime la nation, j'aime le pays. Notre clin d'œil au Parlement et aux parlementaires. La semaine passée, c'était la session sans électricité. Les flashs de téléphone ont servi à éclairer donc la salle. Aujourd'hui, vous allez comprendre que le port de l'écharpe tricolore est parfois un exercice périlleux. Regardez. Voilà. Je vous connais, hein? Vous allez commencer à dire, ouais, l'autre est à Guinée, malien, tout ça. Ah, au Sénégalais. Voilà. Maintenant, j'espère que vous serez de bonne foi pour ne pas encore écrire. Vous ne connaissez même pas mettre le tricolore. Hein? Non, enfin, ça ne t'arrête pas. On va dire ça, on va dire ça. On va dire ça. On va dire ça. Voilà, on va dire ça. Je connais.
ces gens là. J'espère que celui qui passe ça, tu serais pas de bonne foi. Pendant ce temps, Balamoussa Kanté sur des questions qu'il maîtrise le mieux, les routes. Vous avez le béton bitumineux, vous avez ce qu'on appelle l'enduit superficiel, vous avez aussi vous avez aussi ce qu'on appelle les routes en terre battue. Alors, mettre le béton au niveau de la chaussée. Mori! Oh! C'est pas fini, viens! Reste, prends. Pas une seule fois! Et dis ben, do ma main kany. Hein? Maître, c'est pas grave, hein? Allez-y. Ce que j'ai fait. Non, ce n'est pas grave, hein? Bien au contraire. Instant café avec Macky Sow. C'est l'esprit aussi, hein? Nous sommes avec Monsieur Keïta, bonjour. Mamadi Keïta Sanankoro. Monsieur Mamadi Keïta Sanankoro, bonjour. Je suis de 15 km de Coursaville. 15 km de Coursaville. Oui. Ah, d'accord. Quelle appréhension faites-vous de ces consultations concernant la modification de la Constitution dirigée par le Premier ministre Ibrahim Kassori Fofana? Qu'est-ce que vous pensez de ça exactement? Ce que je pense de ça, vraiment, je suis pour le changement de la Constitution. Pourquoi? Je retiens quelque chose du président de la République, M. Alpha Condé, le deuxième stratège président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé. Il a bien dit, au premier mandat, qu'il faut changer. Et que le changement sera très dur et très difficile, mais quand on change, et que tout va marcher. Ce que je retiens encore du gouvernement, la nomination de le premier ministre, M. Kassori Fofana, n'est pas venue au temps. Ça a pris beaucoup de temps, mais le moment n'était pas venu. Mais aujourd'hui, c'est salutaire pour nous, les enfants de PDG. En quoi ce changement de la Constitution pourra vous toucher exactement, vous? Ce qui va nous toucher, ça sera de bon. Positivement? Positivement, ça sera de bon pour nous. Oui. Parce que nos enfants et la future génération, je sais qu'ils vont avoir de l'avant. Mais ce qui reste clair, la Guinée est en train de bouger. Ce que je vois, nous. Puis l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Moi, ce qui a changé de ma vie, mes proches et mes relations, malgré moi, je suis malade, m'assistent beaucoup. Et c'est grâce au président de la République, Alpha Condé. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous appelez comment? Je reprends le nom Bakary Diaby. Bakary Diaby. Apparemment, vous êtes un octambule, là. Bah ouais, je vais souvent la nuit devant ma porte. Vous sortez quand même la nuit pour circuler. Bah ouais, ça j'avoue. Tardivement la nuit, il y a quand même la sécurité qui vous interpelle pour vous demander des documents, c'est ça? Ouais, bien sûr. Ça se passe comment? Ici en Guinée, ça se passe quand on t'appelle pour t'interpeller, pour demander tes papiers. Même quand tu montes tes papiers, tes dossiers qui sont au complet, ils vont t'embarquer, t'envoyer ou bien retirer tes affaires. Tes téléphones, par exemple, moi j'étais victime de ça. Hein. Pour la première fois, j'étais à mon carrefour, juste la nuit. Ils sont venus là-bas, j'avais mon téléphone en main. Ils m'ont dit tes papiers. Et moi, je marchais avec mes papiers dans ma poche. Je les ai montré mes documents, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de quoi? Je les ai demandé, vous avez besoin de quoi? Que de monter. De monter où? Où? Que dans la voiture. Que mais j'ai mes dossiers, qui s'en fout de ça. Bon, je suis monté là-bas. Nous sommes allés vers Bambetola, mais pas trop. Ils m'ont fait descendre là-bas, ils m'ont dépouillé, ils ont pris mon téléphone, mon argent, ils m'ont laissé. Mais vous devez identifier ces gens-là. Bah deux fois, ils sortent, la voiture n'est pas immatriculée, comment est-ce que tu peux les identifier? Ils enlèvent la plaque, ouais, bah ouais. Ça se fait? Ça se fait, ils enlèvent la plaque. Mais attendez, vous êtes sur espace, hein? Je sais que je suis sur espace, j'avoue. D'accord. Ils enlèvent la plaque et puis ensuite de ça... Il récupère des affaires ensuite. Bon, tu peux rien y faire. Sport, la nouvelle est tombée vendredi dans l'après-midi. Didier Six devient le nouveau sélectionneur du Sili National de Guinée. Une première chose que vous devez savoir, c'est quelqu'un qui se pose des questions et répond lui-même. Question. Si je devais conserver un seul instant de ma carrière, lequel je retiendrai? Réponse. C'est pas un instant, c'est
c'est toute une durée. D'avoir eu la chance de ne pas être blessé durant à peu près une vingtaine d'années de carrière professionnelle, d'avoir débuté jeune, d'avoir fini assez, pas, je dirais pas vieux, mais expérimenté. Et d'avoir connu beaucoup d'expériences et beaucoup de choses fantastiques. Question. Si j'avais choisi de pratiquer un autre sport, lequel serait-il ? Je pense. Peut-être au début le tennis et peut-être après le golf. C'est deux sports qui m'ont passionné et qui me passionnent encore. Question. Quel est mon plus grand ennemi en carrière ? Je pense. Presque, je dirais moi. Dans le sens où je suis perfectionniste, aussi je suis jamais assez content de ce qui se passe. Et donc ça a pu me jouer des tours. Et quand je dis moi aussi, c'est que peut-être j'étais trop un joueur terrain. Je suis un entraîneur plutôt terrain. Ce qu'il me faut, c'est le terrain, d'avoir ce contact avec les joueurs sur le terrain. Et deuxième chose que vous devez savoir, ce n'est pas par amour pour la Guinée que le Français a accepté de devenir l'entraîneur de son équipe senior de football. Quel est mon endroit préféré sur le continent africain ? Je dirais deux endroits, le Maroc et Lomé. Troisième chose que vous devez savoir, il a un palmarès de plumes, champion de Turquie en 1988 avec Galatasaray, champion de France de division 2 en 1972 en Valenciennes, vainqueur de la Coupe de la Présidence en 1988 Galatasaray, en équipe de France 52 sélections et 13 buts, capitaine à deux reprises, champion d'Europe en 1984, participation à la Coupe du Monde en 1978, premier tour, et en 1982, quatrième, sélectionneur du Togo et de l'île Maurice. Bonsoir. C'était tout pour aujourd'hui. Et avant qu'on se quitte, la citation du jour. Il arrive qu'une poule vole plus haut qu'un aigle. Hop là, docteur Honoris de Causa. Je crois que c'est plutôt l'inverse. Et il arrive qu'un aigle vole plus bas qu'une poule, mais une poule ne volera jamais plus haut qu'un aigle. Voilà, et moi, mon conseil du jour, si vous avez soif, buvez. À la semaine prochaine pour d'autres news.